Bienvenue sur le plateau des amours, on accueille nos couples du jour. Il y a Mandy et Laurent, ils viennent de Pignans et de Languedoc-Roussillon. Malika et Eric, Raymond Fling, la Lorraine. Et puis Lauriane et Raphaël, Guenrouette, les Pays de la Loire. Ses initiales parlent pour lui, BG comme BG. Accueillons le beau gosse Bruno Guillon. Merci Pascal, merci à vous. Bienvenue sur France 2, bienvenue sur le plateau des amours, bienvenue Lauriane et Raphaël. Et l'émission de ce matin va être une partition musicale, vous allez comprendre. Lauriane, vous êtes musicologue. Oui, musicothérapeute. Musicothérapeute, alors c'est quoi exactement musicothérapeute? C'est la thérapie par la musique? En gros c'est ça, c'est utiliser les éléments de la musique et la culture musicale de du patient. Pour amener à résoudre le problème de santé. Voilà. J'adore l'idée. Bienvenue à tous les deux. Merci. D'ailleurs, on apprendra que c'est un peu grâce à ça que vous avez séduit Raphaël. On en parlera tout à l'heure. Puisqu'on parle de musique, pour passer des disques et tout ça, ils nous font un DJ. Malika et Eric, bienvenue. Merci. Malika va gérer les platines. Regardez. J'adore l'idée, bienvenue à tous les deux. Et puis Mandy et Laurent, vous vous êtes rencontrés justement lors d'un festival de musique, un festival connu? Non, c'est dans le cadre de notre travail, c'est réservé aux agents, on ne peut pas dire le nom de l'entreprise, qui gère l'électricité. Oh, excuse me. Voilà. Mandy, Laurent, bienvenue également. Merci. On a du courant, ça tombe très bien, on peut lancer la première manche. Raphaël, conseiller financier. C'est ça. Placement, tout ça, c'est vous qu'on appelle? C'est moi qu'on appelle. Très bien. Eric, conseiller de vente. C'est ça, ouais. On n'est que sur du conseil. Et donc, Laurent, technicien en électricité, on l'a compris. Voilà. On y va avec la première question? On y va. Eh bien, c'est parti. Si on demandait à vos copains, monsieur, ce qu'il y a de plus négatif chez votre femme, que répondrait-il? Je pense que c'est au niveau de sa conduite. Ah. C'est une femme. Ouh, macho. Bonjour. Bonjour sur Télé Clichés, la télé des clichés. Oui, une femme ne sait pas conduire, forcément. Un homme ne boit que de la bière et regarde du football. C'est la télé des clichés. C'est ça. Et donc, vous êtes tombé en plein dedans, mais on le note. L'essentiel est qu'elle donne tout à l'heure la même réponse. Eric. Quand Malika a faim, il faut vite qu'elle mange. Parce que sinon, après, elle devient très mauvaise, de très mauvaise humeur aussi. Donc, pour calmer ça, il faut tout de suite qu'elle mange, parce que sinon, elle ne pourra pas. D'accord, quand Malika a faim, il faut qu'elle mange. Ah oui, il faut lui faire à manger. Un peu comme un lion, quoi. Il faut lui faire à manger. D'accord, très bien. Pour passer une bonne soirée, il faudra lui faire à manger. Ouais. D'accord. Raphaël. Son caractère. Qu'est-ce qui se passe avec le caractère? Elle est susceptible. En gros, on ne peut pas faire une réflexion. Mauvais caractère, c'est noté. Deuxième question, Eric. Ouais. Ça se passe avant votre chérie. Ok. Précision extrêmement importante. Okay, okay. Vous avez 25 ans environ et vous devez vous marier dans 3 mois avec votre fiancée. Mais un soir, vous faites la connaissance d'une superbe fille qui vous fait littéralement chavirer et c'est réciproque. Comment allez-vous gérer la situation? Vous allez résister à la tentation et maintenir le mariage? Vous allez succomber à la tentation et annuler le mariage? Ou vous allez succomber à la tentation et maintenir le mariage? On ne fait pas semblant. Donc, dans ce cas-là, j'arrête. Vous allez succomber à la tentation et annuler le mariage? Ouais. Très. On fait pas semblant. Raphaël? J'hésite. Annuler ou garder? Bon, j'annule. Vous annulez? J'annule le mariage. Et vous partez avec, oui. Avec la fille. Laurent? Moi, sans hésitation, je me marie et je reste fidèle. Allez, troisième question. Au beau milieu d'un câlin, Raphaël, votre chérie aperçoit une énorme araignée au plafond. Vous pensez à quoi? Comment est-ce qu'elle réagit? Elle l'ignore et il lui en faut plus pour la refroidir. Ou alors elle stoppe tout et elle vous demande de l'exterminer sur le champ. Ou alors elle hurle.
Et du coup, vous, vous prenez ça pour un complément. Genre, hey. OK. Alors, je dirais que connaissant mon arachnophobie, qu'elle ne dira rien. Ouais. Et qu'elle fera comme si de rien n'était. Ah, c'est vous qui avez peur des araignées? Les grosses ou les petites, petites Ah, les grosses. Les grosses, très bien. Donc, alors, elle l'ignore, il lui en faut plus pour la refroidir. Très bien. Laurent? Ah, moi, elle arrête tout. Elle arrête tout? Ah ouais, c'est, elle me demande de prendre le fusil de chasse, pour le tirer dessus, l'exterminer. Alors, donc, un diamant de fusil de chasse, c'est peut-être un peu trop pour une araignée. C'est un peu beaucoup, mais bon. Oui. Non, oh, il y a une araignée. C'est ça. Eric? Ouais, elle fait comme s'il n'y avait rien. Elle fait comme s'il n'y avait rien? Ouais, ça l'arrête pas, ça. Elle, ça l'arrête pas, non. Allez, hop, ça déroule. Bon, eh bien, on va voir si elles vont dérouler les bonnes réponses. Vos chéris reviennent maintenant. Lauriane, si on demandait aux copains de Raphaël ce qu'il y a de plus négatif chez vous, qu'est-ce qu'ils nous répondraient? Je dirais que je suis trop réservée. Vous êtes réservée? Timide, voilà. D'accord. Je vais plus le laisser avec ses Attendez, amis. Attendez, Raphaël, vous chauffez pas, deux secondes, on parle, ça va venir. Non, je le laisse aller être avec ses amis, et puis moi, je suis un peu plus à l'écart. Quoi. Voilà. D'accord, votre côté réservé. Oui. Voilà. Raphaël, lui, nous a parlé de votre susceptibilité. Oh. On en parle? Pas avec les amis. C'est... Non, remettez-la par terre. Vous êtes susceptible? Oui, ça arrive. D'accord, très bien. Non, mais attention, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Hein. Oui. Elle est susceptible. Eric. Ouais. Et Malika. Malika. Oui. Le truc le plus négatif chez vous, selon eux, ce serait Mon quoi? Mon côté râleuse. Je râle un peu pour tout. Vous êtes râleuse? Ouais. Et ça, pourquoi c'est pas rangé là? Et pourquoi ça s'est pas fait comme ça? D'accord. Dernière fois que vous avez râlé, c'était pourquoi? Bon, ce matin, sûrement. Allez, dépêche-toi, ne traîne pas. D'accord. Voilà, je râle. Mais c'est normal. Oui, bon, c'est normal, je sais pas, mais... Bah, chez nous, quoi. Mais en tout cas, Eric, lui, nous a parlé de... Oh. C'est un 50-50, maman. De ce petit problème que vous avez quand vous avez faim. Et oui. Il paraît que vous mangiez tout de suite, sinon vous vous transformez sinon, je suis, en... Ouais. Ouais. Ça m'énerve quand ouais. J'ai faim. Quand j'ai faim et quand je suis fatiguée. D'accord, là ça va, vous n'êtes pas fatiguée, c'est le matin. Non, et j'ai mangé. Et la dalle, ça va. Bon, très bien, donc on va passer un ça bon va, moment. Ça va, ça va. Mandy. Oui. Alors Moi, je pense sans hésitation que je suis trop hâtive. Je vais trop vite, je veux toujours... Enfin, voilà, je suis un peu pressée, je ne prends pas le temps. Donc c'est peut-être ça. Je ne sais pas. Laurent, non. Non, on n'y est pas. Oh, c'est vrai? Mais t'es sérieux? Les potes sur ma conduite? Non, mais les potes, on parle des potes, on parle de pas potes. De... On parle pas de tes potes, on parle de mes potes. Bah tes potes, c'est mes potes, enfin, je sais pas. Ah non, Gatou, il le voit que tu conduis mal. Ah, donc d'un pote, en fait. Bah, ok. En plus, il était vraiment en pointe sur le sujet, il a dit, quand on pense à tout ce qu'on dit sur les femmes au volant... Oh là là, mais c'est moche. Du coup, en plus, le pote sûre en... de moi, quoi. Le pote en question, Laurent, c'est qui? C'est... Ouais, c'est le témoin de mariage. Ah. On va le rayer. Non, mais c'est le pote qui conduit très mal aussi, et voilà, bon, mais c'est pas grave. Merci, Gatou. Mais il n'a pas d'accident, lui. Allez, deuxième question, Malika. Ça se passe avant vous. Votre homme a 25 ans environ, et il doit se marier dans 3 mois avec sa fiancée. Mais un soir, il fait la connaissance d'une superbe fille. Il craque sur elle et c'est complètement réciproque. Comment va-t-il gérer la situation? Il va résister à la tentation et maintenir le mariage. Ou alors il va succomber à la tentation et annuler le mariage. Ou alors il va succomber à la tentation et maintenir le mariage. En mode, je joue sur les deux tableaux, quoi. Non, la première, résister à la tentation. Il résiste. Il prouve qu'il existe. Eric. C'est pas ça. Je reste franc avec moi-même. Ok, bon. Il suit son cœur. Il suit son cœur. Bon. Ouais, c'était pas facile, ça. C'est beau, c'est ce qu'il a fait pour vous, Malika. Ouais. Il vous a suivi, ouais. Oui, il m'a suivi jusqu'au bout. Bravo, maman. Mandy. Oui. Alors. Succomber, mais annuler le mariage. Chevaleresque. Ouais. Eh bien, Laurent, non, ça paie plus l'honnêteté. Hein. Ah, mais grave. C'est fou, hein. Ça a eu payé. Ouais, mais c'est pas avec moi que t'allais te marier. Mais non, mais même avec les autres. T'avais 25 ans, t'aurais jamais pensé à te marier. Ouais.
Non. Mal barré, là. J'ai l'impression qu'on a la bande des winners ce matin au niveau des points. On les a pas vus venir, mais ils sont là. Hein. Lauriane. Oh, il succombe et il annule le mariage. Il succombe, Raphaël, et il annule le mariage. Et c'est une bonne réponse. Et vous marquez les 5 premiers points de la partie. Mandy, au milieu d'un câlin, vous apercevez une énorme araignée. Ah. Au plafond. Comment est-ce que vous allez réagir? Vous stoppez tout et vous lui demandez de l'exterminer sur le champ. Vous l'ignorez, il vous en faut plus pour vous refroidir. Ou vous hurlez et du coup, Laurent prend ça pour un compliment. Non, je stoppe tout. Tant qu'elle est là, je ne peux plus. Ce n'est pas possible. C'est vrai, les araignées? Ah oui, les araignées, c'est non, non. Mais même les petites, petites? Non, toutes petites, ça va. Mais ça va, si elles dépassent une certaine taille et un peu noire et tout, moi, je ne peux pas, dès qu'elles sont... D'accord. Laurent, là. Bonne réponse. Oh, bravo, c'est bien. Ça marche? C'est bien, ouais. Je suis balèze, moi. Lauriane? Moi, je l'ignore. Mais je l'appelle. Je l'appelle pour qu'il... pour qu'il la voie. Ah d'accord, ah, parce que lui par contre... Ah oui, oui, lui il n'aime pas ça. Alors lui, il nous disait plutôt que vous l'ignorez pour justement pas qu'il s'en rende compte et que vous continuiez comme si de rien n'était, mais la finalité c'est que vous ignorez et c'est ce que nous a dit Raphaël. Et il en a fallu du temps, mais ça y est, petit à petit, ça marque. Malika, là alors... tout le monde a marqué un petit peu, donc ouais, là, du coup ce serait pas idiot. Quoi. Ouais. Je l'ignore. Vous l'ignorez, ouais. Et il vous en faut plus pour vous refroidir, ouais. Eric. Et ben voilà, ça marque aussi. Ça nous donne 5 points pour les rouges, 5 points pour les jaunes, 10 pour les bleus, avant la deuxième manche qui arrive. Et Pascal, juste avant, on regarde sur la carte les prochains castings des amours. Ah, on s'arrête là. Ah ben oui, exact, on sera à Paris et même en région parisienne. Et là, les castings, c'est toute l'année. Et puis, casting des amours dans toute la France. Et vous le faites sans bouger de chez vous. Comment? Ben, très simplement, avec la webcam. Là aussi, c'est toute l'année. Vous allez sur notre site france.tv. Il y a toutes les indications nécessaires. Bon, Lauriane, on le disait, musicothérapeute, c'est votre métier. Je trouve ça génial, moi qui me retrouve assez souvent dans le monde de la musique. Ça veut dire que si je vous dis j'aime voilà, la chanson française des années 70 aux années 80 et que j'ai en parallèle les symptômes d'une maladie, vous arrivez à me guérir par rapport à ça? Non, c'est pas obligatoirement. En fin de compte, on va utiliser des... Pas forcément en écoute, ça va peut-être être du rythme, soit ça va être sur du vocal, ça peut être sur de l'écoute musicale pour détendre et tout, mais pas forcément sur des musiques que vous connaissez. Ça peut D'accord. être aussi pour faire réagir. D'accord, donc, voilà. Pour créer des stimuli auditifs. Voilà. D'accord. Si on a un mal de dos, vous nous donnez un fa? Non, quand même pas. Fado, vous êtes sur le fado, vraiment, facial? Complètement. Vous sortez. Ouais. Allez, première question, et c'est pour vous, Mandy. À propos de quoi pourriez-vous lui dire? Ouais, eh ben, à ta place, je m'en vanterai pas. Alors, il y a une fois, quand on était ensemble au début, oh, ça faisait peut-être 7 mois qu'on était ensemble, il m'a quittée. Voilà, par téléphone. Donc, grande lâcheté. Donc, bah, moi, j'étais très triste dans tous mes états, etc. Et en fait, peut-être un quart d'heure après, ça a toqué à la porte. Et c'était lui. À l'époque, on ne vivait pas ensemble. Il était sur Marseille, moi sur Montpellier. Et du coup, bah, moi, voilà, j'ai appelé ma meilleure amie en panique. Je ne suis pas bien. Il m'a quitté, nanana. Et en fait, c'était juste une blague. Ah, pour vous faire une surprise. Voilà. Genre, je suis là, je suis en bas de chez toi. Voilà. Il était là, il a toqué, il était là. Mais, mais je l'ai quand même très mal vécu. Donc, je pense que c'est pas ça. Ça s'appelle l'ascenseur émotionnel, quand c'est même. C'est ça, j'ai fait un bel ascenseur. Ouais. Bon, c'est noté. Malika. Alors, ça remonte à quelques années. C'était, il partait du boulot, sa collègue l'appelle et du coup, elle lui dit, écoute, t'as oublié un document au travail, fais demi-tour, donc au téléphone en train de conduire. Hein. Donc du coup, lui, il fait demi-tour, mais en faisant demi-tour, il fait marche arrière et boum, voiture de police. Voilà. Bon, ça s'est bien terminé, quoi. Mais bon, 7 ans de prison, il est sorti hier. Voilà, il est sorti. Non, ça va, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que c'était pas... Le petit accident voilà. Avec la police. Ouais. Lauriane. Moi, je dirais que c'est pour le voyage de noces. Qu'est-ce qui s'est passé pour le voyage de noces? Vous êtes mariés depuis 7 ans, c'est ça, un peu plus, 7 ans et demi? Oui, à peu près.
Durant le voyage de noces, normalement, durant un voyage de noces, il y a, on fait l'amour, normalement. Ah ben tiens, c'est nouveau ça. Disons que ça se fait. Voilà, ben il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu parce que c'était... Normalement, là, vous avez l'hôtel, c'est all inclusive. Ben oui, mais pas là. Là, en fin de compte, il y avait d'autres personnes. Et en comment ça, il y avait d'autres personnes? On était en voyage organisé. Non, mais dans la chambre, vous étiez que tous les deux, quand même. Oui, mais comme il y avait des sorties, il y avait plusieurs personnes, on avait pas sympathisé avec des amis. D'accord. Et en fin de compte, ben, il a voulu aller les voir, et voilà... Mais en rentrant dans la chambre quand même. Non. Et le matin en réveil. Non. Mais la sieste crapuleuse. Eh ben non. Et c'était où? En Laponie finlandaise. Ah, bon. Ah oui, mais le froid. Ah. Bah oui, mais bon. Ça, le froid chez un garçon. Ah, il faisait chaud dans l'hôtel. Peu cher. On lui fera passer le message. Il s'est rattrapé après quand même ou pas? Oui, oui, oui. Ah, vous avez un enfant, il n'est pas arrivé avec une... Non. Oui, d'accord. Hein. Au moins une fois. Malika, imaginez. Vous avez 42 ans et vous êtes maman d'un bébé de 10 mois. Ce jour-là, au parc, un garçonnet veut voler le jouet de votre enfant. Sa mère s'écrie alors, « Laisse le bébé, sinon sa mamie va se fâcher !» Votre réaction, c'est quoi? Vous mettez les choses au clair. Sa maman, madame, je ne suis pas sa grand-mère, je suis sa mère. Ou alors, vous culpabilisez un enfant à 42 ans, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Ou alors, vous dédramatisez. Mais qu'est-ce que ce sera quand j'irai le chercher au lycée? Je dirais la première. Vous mettez les choses au clair. Voilà, c'est ça. Lauriane. Je dirais aussi, je mets les choses au clair. Vous mettez les choses au clair. Mandy? Non, un bébé à 42 ans, ce n'est pas une bonne idée. Vous culpabilisez? Bébé à 42 ans, ce n'est pas une bonne idée. Non. Vous en avez deux? Oui. Qui sont dans le public? Ils sont là. Qui font des petits coucous depuis tout à l'heure? Eh oui. Salut les gars, comment ça va? Un petit coucou à la caméra. Bonjour, bonjour. C'est quoi ton prénom? Nolan. Nolan, ça va bien? C'est ton frère à côté? Oui. Il s'appelle comment? Loris. Il est cool? Oui. Passe le téléphone à ton frère. Comment ça, c'est mon pas pote? Pas téléphone. Oui, mais c'est une façon de parler. Ça s'appelle comment? Je sais pas, je débute dans le métier. C'est quoi le truc dans lequel on parle? T'appelles ça comment? Loris. Il parle dans un Loris, bien sûr. On va poser un brevet, alors c'est bon. Bisous. Merci. Allez, troisième question, Lauriane. Et c'est la question... Bonus. Exactement, il y en a deux qui suivent, dont le caméraman, ce qui nous fait quand même pas un monde de fous. Hein. De rien. Quand il danse, votre chéri est pâteau comme un veau, souple comme un bonobo ou raide comme un manchot. Alors, Lauriane? Non, je dirais souple. Souple. Mandy? Ouais, je dirais qu'il assure pas mal aussi, donc souple. Souple. Du coup, ouais. Ouais, ouais. Non, Malika, j'ai l'impression qu'on va pas partir sur la souplesse. Il y a un truc qui me dit que... Ah, on est sur le... manchot. On est sur le manchot? C'est ça, le manchot. Et ben, voilà, la marche de l'empereur, là. Ils reviennent, les trois. Raphaël, à propos de quoi votre chérie pourrait-elle vous dire à ta place, ça, je m'en vanterai pas. Bah rien, je suis parfait. Super, on enchaîne. Alors, vous vous doutez bien qu'elle m'a dit un truc. Ah, je vais dire, j'hésite entre soit les tâches ménagères ou la gestion du petit la nuit. Avec quoi? Vous attendez de moi que je vous dise, bah, c'est celle-ci, allez hop, on vous donne les points. La gestion du petit la nuit. La gestion du petit la nuit, comment il s'appelle? La nuit, c'est pas son prénom, hein, c'est... C'est Kiran. C'est Kiran. Lauriane. Pas un. Si. Ah non.
Elle nous remonte à loin, elle n'a pas les bons souvenirs. Pas un. Ça va, oui. La Laponie finlandaise. Et que monsieur sympathise avec les autres, et que j'aille voir les autres, etc. Pas un. Igloo, 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 igloo. Eric. Ouais. La manière d'arriver à l'heure. Par exemple, je ramène la petite à l'école. Oui. L'école, elle est à 8h30. Et à 8h28, je décide doucement de partir de la maison. Ah, d'accord. Elle n'est pas très loin. Donc, on n'a pas la même notion du temps pour arriver à l'heure. D'accord. C'est-à-dire qu'elle, elle a la notion du vrai temps. Et vous, vous avez la notion. De ne pas arriver en avance. Du temps, d'accord. Okay. De ne pas arriver en avance. C'est fou, les gens qui arrivent en retard ont la propension à expliquer l'heure en disant on n'est pas sur la même... Si, si, on est tous à Greenwich. Là. A priori, donc, c'est l'heure de Greenwich, il va être midi là, sur France 2, mais pour tout le monde, toute la France, là, vraiment. Malika. C'était quoi ? Avec la police. Ah. C'est ça ? Ah, le demi-tour dans la, dans la voiture de police avec le téléphone et tout ouais, ça. Ouais, là j'ai fait un strike. Ouais. Voilà, c'est pas mal. J'ai fait un beau strike. Ouais. Alors je sais pas si on dit le mot, mais en tout cas, vous... Et là, eux, ils vous ont mis à l'heure. C'est ça. Ouais. Ils vous ont remis les pendules à l'heure. Ouais, c'était ça. Laurent. Je pense à la gestion des enfants pendant la nuit. Ah, ça veut dire qu'il n'y en a pas de votre côté, en gros. Ah, je suis sourd. Ouais, Que la nuit. De 23h. Autant la journée, je pense être un bon papa poule, mais alors autant la nuit. Ah, c'est Mendy qui s'y colle. Ah, grave. Vous êtes un papa marmotte. C'est ça. Celle de l'extérieur. Ouais. On se calme, Mendy, on se calme. C'est une blague. C'était oui, enfin, c'était une blague. Ouais, mais moi, Thierry, je te quitte l'espace de 10 minutes quand même. Il y a un petit. Non, même pas 10 minutes, je te demande sa porte. Elle nous a dit un quart d'heure, mais peut-être qu'elle a une grande maison. Allez, on enchaîne. Voilà. Eric, imaginez votre chérie à 42 ans et elle est maman d'un petit bébé de 10 mois. Ce jour-là, au parc, un garçonnet veut voler le jouet de son enfant. La mère de l'autre enfant arrive et s'écrie « Laisse le bébé, sinon sa mamie va se fâcher ». Comment réagit Malika ? Elle dédramatise. Eh ben, qu'est-ce que ce sera quand j'irai le chercher au lycée ? Elle culpabilise un enfant à 42 ans. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée ? Ou alors elle met les choses au clair. Sa maman, je ne suis pas sa grand-mère, je suis sa maman. Elle dédramatise. Elle dédramatise. Qu'est-ce que ce sera quand j'irai le chercher au lycée ? Non, Malika, elle dédramatise pas. Non, allez, elle met les choses au clair. Oui, sa maman. Ouais, mais j'ai vu les choses autrement, ouais. Je suis sa maman. Sa maman. Laurent. Moi, je pense qu'elle met les choses au clair. Elle met les choses au clair, Mendy. Un bébé à 42 ans. Ouais. C'est pas grave, ça nous arrivera pas. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, en termes de poids, on brade. Hein, on n'est pas... Voilà. Raphaël. Ouais, je vais dire, elle dédramatise. Elle dédramatise, Lauriane. Bon... Eh non, elle met les choses au clair. Alors, on est sur un marathon de plus de 42 km. La plupart des concurrents sont arrivés et je fais un point course à 5 km du départ où il y a les rouges avec 5 points, suivi des jaunes, 5 points également et 10 points pour les bleus. Autant dire que tout va se jouer avec la question bonus qui arrive après ça. On a l'impression d'une cordée. Il y en a un qui dévisse, ils sont tous en train de se tirer. Tu ne monteras pas jusqu'à là-haut. Bon, c'est 15 c'est... points la question bonus. Donc, limite là, vous marquez, vous gagnez. Limite, okay. Attention. Ouais, limite, hein, vraiment. Quand vous dansez, Laurent, vous êtes souple comme un bonobo, pâteau comme un veau, raide comme un manchot. Bonobo, veau, manchot. Je dirais quand même souple comme un bonobo. Souple comme un bonobo, Mendy. Hey. Ouais. T'es mal Eric. Parlé, ah, c'est un peu le suspense. Hein. Ouais. Alors, pas suspense, vous chauffez pas non plus. On n'est pas sur Star Wars. Hein, c'est, Je suis à l'aise quand c'est mon son, donc je suis souple. Je suis raide quand c'est pas mon son. C'est quoi votre son?
Techno hardcore. D'accord. Et quand c'est pas votre son, c'est le reste. D'accord. Très bien. Donc il y a Armin van Buuren et les autres, ouais, quoi, en gros. Ça. Bon, allez, j'ai confiance, on va dire. Dans mon son, je suis souple. Malika. Elle a dit l'autre. Souple. Non. Je suis raide comme un balai. Ouais, ouais. Ouais, je m'en doutais. Bien joué. Raphaël. Il n'y a pas silencieux. Je dirais pâteau comme un veau. Pâteau comme un veau, Lauriane. C'était souple. Comme un manchot. Hé, hey, Laurent, Mendy, vous êtes les amours du jour. Oh, c'est cool. Hé, hey, je peux vous dire, l'émission de ce matin, les gars. Ouais, on a ramé. Hein. Lauriane, Raphaël, Malika, Eric, allez, voici vos cadeaux. Homer Vacances, spécialiste des vacances en camping en Europe, vous offre un séjour dans l'un de ses mobilhomes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 camping-villages Homer. Mandy et Laurent sont les amours du jour. Et regardez, on a vos supporters qui sont derrière. Ouais. Je précise, non. Je précise que ce sont vos enfants. S'il y a des gens qui arrivent sur le programme, je dis, bah, dis donc, Guillaume, il amène ses enfants au plateau maintenant. Et cela dit, il y a bien des animateurs qui viennent avec des animaux de compagnie. On peut c'est faire vrai. Ce qu'on veut en famille. En famille. C'est vrai. Je n'ai pas comparé vos enfants à des animaux non, de compagnie. Non, mais attention. En fait, il n'y a pas de souci. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour votre finale? Oui. Mendy, Laurent connaît-il? Top, votre fromage préféré? Oui. Le chèvre. Votre animal domestique préféré? Oui. Le chien. Top. Roquefort, poisson rouge. Ah bah ouais, voilà. J'aime c'est tout pas elle. Les animaux, donc poisson rouge, voilà, bon, bref. Bah ouais. Allez, c'est pas grave. Allez, on y retourne, faut répondre un peu plus vite, Laurent. Ouais. Mendy, Laurent connaît-il top? Votre monument parisien préféré? Non. Votre taille en mètres et centimètres? Oui. 1m46. Stop, stop, stop. Juste, je veux qu'on visualise, hein, ça veut dire mais que je serai tout, comme on ça quand tout, même. On arrête tout, ah, mais j'en sais rien, moi. Elle mesure 1m59. Ah ouais. Quand même, enfin, hé, hey, c'est pas anodin, une quinzaine ouais, mais de centimètres moi, elle est petite, quand même. Donc, waouh. Ah là 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 là. Mendy, Laurent connaît-il top votre sport préféré? Oui. Je passe. La partie de votre physique que l'on complimente le plus souvent? Oui. Ses jambes. Le dernier pays étranger que vous avez traversé? Oui. Putain. 12 secondes. Plus honnête. Ça là, passe. Mais non, parce que s'il passe. Ah bah, il y en ouais. a plus. Il y en a plus. New York. Les États-Unis. Oui, New York. On s'en souvient quand même des ouais, États-Unis. J'ai total. J'ai l'impression. On a été jusque-là, tu fais partout. Bon, Laurent Mendy, vous avez quand même ce cadeau, regardez. Mendy et Laurent, vivez un séjour insolite et ludique en famille grâce à Défi Planète. En plein cœur d'un parc naturel, profitez d'une expérience de bien-être unique. Comment ça, mon pote? Vraiment stressé, hein, c'est bon, c'est le stress, on mettra ça sur le coup du stress. Allez, ah ouais, ça se finit en famille, mais les amours, c'est un petit peu la famille tous les matins. Sur France 2, passez une belle journée tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Inscrivez-vous au casting France.tv.